Ok, je m'appelle Céline, je viens de Marseille et je suis directrice générale de l'association Climat Calanque. Je suis passionnée et du coup, bah, ça fait que parfois je peux être chiante parce que je prends tout vachement à cœur et je fais les choses à fond. Mais voilà, j'adore ce que je fais et c'est hyper important pour moi de le faire bien. Du coup, voilà, passionnée. J'aime bien faire changer d'avis aux gens, j'aime bien les débats. Je trouve que la vie serait très chiante si on ne pouvait pas débattre un peu plus avec tout le monde. J'ai décidé de participer au projet Tugère parce que je trouve qu'il est top. Je trouve ça hyper important que les jeunes s'engagent au quotidien pour essayer de faire changer les choses. Et ça passe en fait par là, ça passe par la jeunesse qui bouge. Ça changera jamais si les jeunes s'y mettent pas, ça me tenait à cœur, donc avec plaisir. J'espère pouvoir leur apporter de l'expérience, en gros leur partager mon expérience, qu'ils évitent de faire les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire. Et les aider surtout à se lancer, parce que le problème quand on veut monter un projet ou quand on veut faire quelque chose qui a de l'impact, c'est qu'on a peur, c'est qu'on doute, syndrome de l'imposteur, etc. Enfin bref, on ne fait pas. Et moi, mon rôle, ça va être de vraiment essayer de leur redonner confiance en eux et de leur donner envie de faire sans se prendre la tête, juste avec les moyens du bord pour commencer, et après ça grandira petit à petit. Ils ont raison de s'inquiéter, mais de l'inquiétude, je pense, va naître les solutions qui sont nécessaires au changement. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'inquiétude, on continuerait à agir comme on agit aujourd'hui. Donc, c'est normal d'être inquiet, c'est bien d'être inquiet. Maintenant, il n'y a plus qu'à transformer cette inquiétude en action pour faire évoluer la société.